vacciné troisième dose, hein, mais bon. Bien. Je voudrais saluer les militants et responsables présents dans cette modeste salle. Et surtout, saluer ceux qui, à travers Facebook ou Avest Africa TV, nous suivent loin d'ici. Remercier pour l'intérêt qu'ils portent à notre Assemblée générale et les encourager à continuer de le faire. Ensuite, je vais saluer le retour parmi nous, le retour dans cette tribune, de l'Arch Ibrahim Achérif Ba, vice-président du parti chargé des relations extérieures et de la communication, qui assiste pour la première fois à cette Assemblée générale virtuelle. Et je voudrais vous demander de l'applaudir très fort. Et l'Archérif, comme vous le savez, on a été obligé, lorsque nos locaux ont été occupés de force par les forces de défense et de sécurité, nous privant du contact hebdomadaire qu'on avait avec nos militants, nous avons donc, dis-je, été obligés de faire appel aux nouvelles technologies de l'information et organiser notre Assemblée générale par ce moyen. Et nous sommes très vite rendus compte qu'il était même plus efficace que l'Assemblée générale présentielle que nous avions l'habitude d'organiser, puisque c'est des centaines de milliers de personnes qui finissent de suivre cette Assemblée générale virtuelle. Je voudrais saluer votre courage, vous et vos collègues, qui avez payé un lourd sacrifice, que vous avez consenti un lourd sacrifice pour défendre votre honneur, votre dignité, mais surtout pour défendre l'UFDG, défendre l'honneur et la dignité de l'UFDG. Vous avez passé des mois en prison alors que vous n'avez commis aucun crime, aucun délit, sinon de défendre l'UFDG, de défendre vos convictions. Malheureusement, la dictature qui était là, qui était aveuglée par le pouvoir, a décidé de mettre fin à vos libertés et à vous déférer et vous incarcérer pendant si longtemps. Heureusement, grâce à Dieu, vous êtes sortis et grâce à Dieu, les Guinéens sont redevenus libres. Nous prions Dieu que ça soit pour toujours. Je voudrais encore féliciter les militants et cadres de l'UFDG pour le soutien qu'ils vous ont apporté pendant que vous étiez en détention. Militants et responsables du parti de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a cette solidarité exprimée, ce soutien qui a été apporté et qui ont contribué naturellement à vous aider à supporter cette détention arbitraire et injustifiée. Je voudrais surtout féliciter les militants du parti et leur dire à quel point je suis fier d'être votre président. Vous n'avez pas fléchi. Vous êtes resté debout. Vous êtes comme on a tout subi. On n'a pas fléchi. Ça a suscité de l'admiration et du respect au sein de notre peuple. Et vous allez voir les manifestations. Les gens adhèrent massivement actuellement à l'UFDG parce qu'ils ont compris que c'est un parti qui est constant dans la défense des valeurs qui sont chères au peuple de Guinée. Ce n'était pas facile. Mais les militants du parti sont restés intransigeants dans la défense de leurs convictions, dans la défense de ces valeurs. Et le peuple de Guinée a observé. Et aujourd'hui que les gens sont libres, vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup de sympathisants qui ont une profonde admiration pour votre parti. Et ils vont se manifester. Parce qu'avant, flirter avec l'UFDG, exprimer une sympathie vis-à-vis de l'UFDG pouvait vous conduire en prison, sinon à la mort. Aujourd'hui, les Guinéens sont libres.
Tous les jours, nous enregistrons des adhésions. Des gens qui nous disent le combat que vous avez mené avec tant d'endurance, avec tant de résilience, nous vous observions. Vous avez forcé l'admiration par votre courage, par votre force de résistance. Vous avez subi tellement d'injustices, d'exactions, de violences. Vous avez tenu parce que vous étiez des hommes de conviction. Et maintenant, vous allez voir les gens arriver. Ce que je demande à tous les responsables et militants du parti, c'est d'accueillir les gens avec respect, considération, avec dignité, pour grandir, faire grandir encore l'UFDG. Parce que les gens, beaucoup, dis-je, avaient de l'admiration pour nous, mais ils n'osaient pas. Militer à l'UFDG, c'est renoncer à une partie de ses droits de citoyen. Parce que la répression était impitoyable contre les militants de l'UFDG, qu'ils soient éleveurs, commerçants, taxi-moto. Lorsque tu es militant de l'UFDG, tu perdais la moitié, sinon la totalité, de tes droits et libertés. Aujourd'hui que les Guinéens sont libres, ils savent qui est qui dans ce pays. Et vous allez voir, vous allez écouter certains. Il faut féliciter ceux qui sont restés et qui se sont battus, qui ont suivi tellement de privations, parfois d'humiliations. Ils sont restés derrière le parti et sa direction nationale. Je tiens à vous féliciter tous. Maintenant, l'heure n'est plus à critiquer Alpha Condé. Ça, c'est le passé, grâce à Dieu. J'ai toujours dit, le haké va sanctionner la justice divine. Aujourd'hui, ça c'est un... Consacrons-nous à l'avenir. Préparons les échéances. Essayons d'avoir des conduites qui sont de nature à favoriser la réconciliation des Guinéens. Nous avons été les victimes d'une injustice impitoyable. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous attarder sur ça. C'est vrai, nous ne devons pas oublier nos morts. Ils sont plus de 200 qui ont été froidement abattus et qui n'ont pas eu droit à la justice et à la réparation. Nous avons l'obligation de ne pas les oublier pour qu'ils aient droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation, pour que leurs proches aussi aient le devoir du pardon. Parce qu'il faut que la Guinée change. Nous n'allons pas recommencer, continuer le même cycle. Parce que la vengeance appelle la vengeance. La vengeance appelle d'autres injustices. Nous ne voulons pas ça. Mais il faut assurer à ceux qui sont morts le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation lorsque c'est possible. Et après, le devoir, les inciter pour qu'ils accomplissent le devoir du pardon. Parce qu'on ne peut pas tout punir. Il faut qu'il y ait le pardon. Mais d'ici là, préparons-nous à accueillir beaucoup de Guinéens. Certains étaient dans le RPG, d'autres avaient décidé de ne pas faire la politique parce que ça comporte tant de risques. Aujourd'hui, les gens sont libres. Donc nous comptons sur les... Il faut même aller vers certains, parfois qui nous ont fait du mal, parce que ils voulaient plaire aux tyrans. Évidemment, il y a beaucoup de Guinéens. La recherche des faveurs, du pouvoir, avait conduit certains, peut-être, à renoncer à la lutte et aller. Mais la vraie lutte, c'est pour l'instauration de la justice, d'une démocratie apaisée. La vraie lutte que nous devons mener désormais, c'est pour la réconciliation nationale des Guinéens. J'ai eu un militant du RPG qui s'est caché pour venir me voir. Il dit, tes militants sont dignes. Ce militant du RPG a une famille d'Aratoma. Il dit, malgré les hostilités, malgré les tueries, tes militants ne sont jamais venus nous insulter. Nous sommes des RPG. Ils n'ont jamais jeté un caillou dans notre cour. Et lorsque j'entends
certains de mes collègues du RPG dire là-bas que c'est le racisme, que c'est la haine et l'exclusion, je ne peux pas démentir, mais je sais que c'est faux. Vos militants nous ont respectés. Ceux dont les enfants ont été tués, ils n'ont jamais jeté un caillou dans notre clôture. Nous sommes isolés là-bas parmi eux. Mais c'est ça la réalité. Il y a une campagne d'intoxication qui a été menée pour dire, ah non, non, si tu ne parles pas Poulard, tu ne passes même pas ça, là-bas. Ce n'est pas vrai. C'est pour discréditer l'UFDG. Et cette famille, ce père de famille, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, mais vous êtes honnête. Il dit, non, c'est la réalité. On n'a jamais ressenti une haine quelconque, une exaction quelconque. Et nous sommes du RPG, et on fait des réunions du RPG là-bas. Même jamais un caillou n'a été jeté dans notre concession. Lorsqu'il y a un problème, ils sont les premiers militants à venir pour aider, pour participer à nos affaires sociales. C'est pas facile, c'est pas autant difficile de réconcilier les vrais Guinéens. Il y a des extrémistes partout, certes. Il y a des extrémistes partout. Mais il faut qu'on ait raison des extrémistes et que la Guinée soit unie autour des valeurs essentielles. Et c'est possible. Et l'UFDG a un rôle important à jouer dans cette réconciliation, dans ce rassemblement de la Guinée, pour que la tolérance, la fraternité règne, que la haine et la violence s'éloignent de notre beau pays. Pays auquel la Guinée, la Providence a tout donné. Des hommes et des femmes intelligents, des richesses minières énormes, une pluviométrie exceptionnelle. Comment on peut transformer ce pays en enfer? Parce que lorsque vous instaurez la haine, l'injustice et l'arbitraire, c'est l'enfer. Changeons ça. Faisons de ce pays un paradis terrestre. C'est possible. Les moyens existent. Il suffit qu'il y ait la volonté. Et qu'à la direction de ce pays, qu'il y ait des gens qui ont une vision, qui ont le sens de la solidarité humaine, de la pitié, comme on le dit en langue nationale, et qui veillent à ce que tous les Guinéens soient rassemblés autour des valeurs essentielles. Dans ce combat, l'UFDG a un rôle important à jouer. Parce que les Guinéens nous font confiance. Et vous allez vous rendre compte encore. Je vois des gens, j'ai reçu l'adhésion de quelqu'un. Je ne vais pas le citer ici, parce qu'il viendra s'expliquer ici. Un grand responsable du RPG, qui m'a dit, je vous ai tellement fait du tort à titre personnel. Monsieur le Président, je vais adhérer à votre parti. Donnez-moi le temps de me racheter. Parce que si je meurs avec toutes ces chairs dans ma conscience, je ne serai pas à l'aise. Kalemoudou connaît la personne. Le responsable du RPG, elle va venir ici adhérer à l'UFDG. Vous avez été tellement courageux. Vous êtes tellement humain. Nos qualités sont connues, malgré la campagne de dénigrement menée savamment par le RPG. Mais les gens comprennent, les Guinéens sont intelligents et lucides. Alors, ouvrons les bras, ouvrons les portes pour que nous soyons un facteur de rassemblement. On nous a accusés d'être un facteur de division, on ne l'a jamais été. Montrons au monde, étant donné que les Guinéens sont libres, que nous sommes un facteur de rassemblement, de réconciliation des Guinéens. Et il faut relancer les structures pour qu'on se mobilise. Tout le monde ne peut pas venir adhérer à la direction nationale. Les fédéraux sont invités à ouvrir les portes. Il y a beaucoup qui ont, comme je l'ai dit, de l'admiration pour notre résilience, notre fidélité, notre constance dans la défense de la vérité. Ce n'était pas facile de résister à une dictature comme ça, pendant de si longues années, avec toutes les pertes qu'on a subies. Mais le peuple guinéen était là, il observait, beaucoup d'entre eux. Et vous allez voir, j'écoute des gens, vous aviez raison, mais, on avait peur. On avait peur. Et si nous sommes restés la première force politique de ce pays, c'est parce que nous étions fidèles à nos convictions. Parce que nous défendions la vérité. Nous n'avons jamais fait preuve de méchanceté vis-à-vis des autres. Je disais souvent, la politique, ça devait être le Sanakuya, même entre le RPG et nous.
très souvent. Et heureusement, le temps, Dieu est grand. Aujourd'hui, les Guinéens sont libres. J'espère qu'ils ne vont pas perdre cette liberté de choisir leur parti, leur candidat. Et que la vérité des urnes sera défendue pour redonner au peuple de Guinée la souveraineté de choisir ses dirigeants, tant au niveau local qu'au niveau législatif, qu'au niveau de l'exécutif. Et voilà, il y aura une démocratie apaisée. Il y aura un état de droit. Et c'est ça, pour ça que nous sommes en train de nous battre. Et nous ne cessons de le répéter. La protection des droits humains, l'état de droit, la démocratie, l'unité nationale. Voilà les principaux objectifs que nous visons et pour lesquels nous avons opposé à la dictature une résistance exemplaire que le monde entier respecte. Notre parti a de la crédibilité à l'extérieur. Notre parti a de la crédibilité à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que nous sommes restés constants. Malgré toute la campagne qui a été menée contre nous, les Guinéens savent qui nous sommes, heureusement. Je vous remercie et bon week-end.